vous allez bien? Alors, pour ceux qui auront regardé la vidéo juste avant, hier en fait j'ai eu un énorme problème. Toute la journée je me suis crue vendredi. Et depuis le matin hein, jusqu'au soir où mon mari est rentré à 19h, normalement c'est à l'heure à laquelle il ferme le magasin, je lui ai dit il y a un problème. Non. Pourquoi? Bah, j'ai dit il est 19h, t'es déjà à la maison. Il me dit oui, mais on est samedi. D'accord. Donc en fait, ma vidéo, quand je vous dis nous sommes vendredi, vous allez l'avoir dans la journée. J'étais juste samedi et complètement déconnectée de la planète. Voilà, pour la petite histoire, pour celles qui... Mais non, on est vendredi, samedi, qui j'aurais mis en doute. Eh bien non, c'est moi. Désolée. Bref, une minute pour vous dire ceci. Je vais vous montrer... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein, mais je voulais changer par rapport au niveau de la reliure. Je voulais changer mon système. Que je trouve très bien. Hein. C'est normal, c'est... C'est moi qui l'ai trouvé. Non, mais je trouve très bien, mais je... Voilà. Pour essayer autre chose, je vais essayer de faire un lassage différent. Toujours avec du macramé, parce que ben, je trouve ça, cette idée sympathique. Donc, je vous montrerai l'intérieur après, parce que là, il est bloqué. Je ne peux pas y toucher. Enfin, si, là. Il a bougé. Voilà. Donc j'ai perforé à trois endroits, donc toujours mon petit livret. D'ailleurs, je me suis fait un gabarit comme ça, je n'aurais pas à recalculer à chaque fois là où faire mes trous. J'ai passé un ruban, bon, on va dire aux couleurs de Noël, hein, donc or. Et je vais venir faire donc mes deux points de macramé avec un qui est rouge et l'autre qui est vert. J'espère que j'en aurai assez, mais bon, vu le nombre de points que je dois faire, ce n'est pas énorme. Alors, donc toujours pour laisser un petit peu quand même de l'aisance, là je vais être obligée de le laisser dès le départ. Quoique, en partant du bas pour remonter, je pourrais toujours le laisser en haut, de façon à ce que, comme ça va se coulisser, on pourra toujours venir élargir un peu. Oui, donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ici, j'ai passé mon ruban. Et je vais donc venir faire le point du macramé. Est-ce bien utile que je vous rappelle comment on fait le point du macramé? Allez, je vous fais le premier et puis après je fais en accéléré. On se retrouve après pour pas que la vidéo ture. Ouais, c'est compliqué, il y a des jours. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est bien, si je vais y arriver. Hein, je vais y arriver. Donc toujours pareil, on prend le cordon, là c'est du ruban satin, je viens faire mon nœud au milieu, à peu près, hein, c'est pas non plus, je fais mon nœud dans le bon sens, sinon dès le départ ça va pas faire joli. Donc je serre sans trop serrer, et c'est parti. Donc vous vous rappelez, hein, on prend... Un côté, on vient faire une boucle, l'autre on vient passer tout en dessous de la boucle, en dessous des brins dorés et à l'intérieur par en dessous de la boucle qu'on vient de faire. Si bien qu'on a fait un nœud et on serre. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que comme c'est assez souple, on verra bien. Hein. Donc là, on retrouve le petit
le petit pont à gauche, donc je prends mon brin de gauche, je fais la boucle, le brin de droite, je passe en dessous, je ressors de ma boucle. Bon, ça a l'air de pas faire trop trop mal. Donc là, le petit pont est à droite, ma boucle à droite. Je viens passer tout. Tout en dessous et je ressors. Et ainsi de suite. Un coup à droite, un coup à gauche. Bon, j'ai vu que mon petit cours sur les pigments vous avait plu. Alors bon, c'est vrai que je suis pas experte non plus, hein. Moi, je vous ai dit à partir de ce que moi j'avais, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Après, vous auriez très bien pu lire exactement la même chose et en conclure les mêmes choses également, hein. Bah, ça fait pas trop mal. Bon, c'est pas aussi net qu'avec un. Qu'un cordon, hein, puisque là ça se tord un petit peu dans tous les sens, mais ça fait pas vilain non plus. Alors je vais regarder où j'en suis, parce que je veux pas non plus faire tout. Donc voilà, hein, c'est toujours la même chose. Je vais pas non plus tout vous faire. Donc voilà, encore un point que j'ai imaginé pour faire une reliure. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Si ça fait pas joli, j'enlève, je trouverai autre chose, hein. C'est pas le souci des idées. J'en ai, mais ça a l'air de faire pas mal. En fait, c'est toujours le même souci que avec ces genres de petits carnets là. Comme on va y rajouter des choses dedans, on finit toujours par ne plus avoir assez de place. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que, allez, encore un. Donc cette fois, je ne vais pas garder de façon à mettre de breloque. La breloque, je la ferai en haut. Pour faire donc mon bijou d'album. Donc là, je vais faire un nœud. Donc là, je vais faire glisser. Le mettre au milieu de mes deux trous ici. Comme ça, ben, hein, vous comprenez. Donc là, je vais repasser à l'intérieur de mes trous, hein. Donc là, je vais passer d'un côté et mon ruban de l'autre, si bien que je vais les croiser pour les ressortir et de nouveau avec mon ruban vert venir faire la même chose. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait sympa. Donc, si bien qu'une fois que ça, ce sera fini, ce sera fixé, ici, ce sera toujours libre. Et au fur et à mesure que mon album va donc se grossir, on pourra venir tirer sur le ruban doré et déplacer les autres de façon à libérer de l'espace ici, tout simplement. Donc je vous mets en accéléré et puis ben, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais, mais en accéléré et en musique.
us, we'd like to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the lot just be. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Ça donne. Bon, il faut encore adapter, bien régler, remettre les rubans bien comme il faut, les tourner comme on veut, leur donner la distance, enfin bref, faire un petit réglage. Mais voilà ce que ça donne. Sans être exceptionnel, on va dire que ça change. Voilà. Allez, je vous montre. Il n'est pas fini puisque je veux que si la personne passe dans le coin, lui laisser encore quelques petites surprises. Donc, oui, ma pépette, tu n'as pas rêvé. C'est bien sur le thème de Noël. Daily December, non, pas forcément, mais voilà, c'est un petit album
pour y mettre un peu ce qu'on veut. Donc en serviettale, là ce matin j'y ai rajouté quelques petits brillants par-ci par-là. Donc là pour le sur le nœud du cadeau, ici j'ai remplacé les boules des baguettes par des petits brillants. Et pour cette page, c'est tout. Ensuite, ici, j'ai fait le pliage de ma fanfan. Je vous ferai le tuto. C'est très, très simple. Je vais vous faire une série de... Enfin, je vais vous montrer deux ou trois sortes de pliages pour faire des petites pochettes. C'est tout simple. Voilà ce que ça donne au final. Et en fait, le pliage, il est tout simple. Et avec Michmi, nous essayons d'en faire là où on met un maximum de choses dedans, mais ça finit par plus rien ressembler à rien. Et hier soir, ça nous a tellement voilà, on avait besoin de se lâcher. Ça a fini qu'on a fait ce truc là. Reste à mettre des petites écritures à l'intérieur. Enfin, le mien, il y a des couleurs quand même. Hein. Mimi, le tien, il n'y en avait pas. Bon, récréation terminée. Donc ici, partition, partition vieillie. À l'intérieur, j'y ai fait un petit carnet façon étui à allumettes avec une image vintage. Et c'est tenu avec des petites attaches parisiennes. Un petit embellissement que j'avais eu l'année dernière en cadeau dans mon embellition box. Serviettage de ma souricette. Ici, j'ai tout simplement décoré donc ce qui est une pochette. Hein, donc ici, il va y venir un tag. Là, il n'y a pas de pochette, rien du tout. Ce sera pour voilà, si elle veut mettre une photo ou écrire. Ici également, alors j'ai retrouvé un bout de washi que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Bon, il n'a rien à voir avec Noël, mais bon, il était marron, il y avait papillons, des petits oiseaux. Voilà, j'avais envie de mettre. Une boule avec son gros nœud et là, de nouveau, des petits brillants. Ici, j'ai fait ma pochette avec tous les petits tickets. Décoré, comme je vous avais dit, caché un peu toutes ces... tous ces angles trop droits à mon goût. Que je ne trouve pas joli. Petite décoration, donc la partition, pareil, un tissu avec un autre tissu collé dessus. Donc ça, c'est ma souricette qui m'avait envoyé ça l'année dernière. Ici, la pochette se trouve en haut. Là, j'ai fait un non, c'est pas un embossage, c'est du modeling paste. Que j'ai pchité avec ma peinture or et j'y ai mis un petit chien qui est en train de regarder par au-dessus de ce qui peut être une pochette. Tout comme ici, ma pochette, je l'ai doublée et ça nous fait donc une pocket here. Ça y est, je l'ai placé ma fanfan. Pocket here. Pocket here aussi là. Un collage de feuillage sur le côté et également ici pocket ear. Un tissu avec une partition pour habiller pour y glisser un petit tag. Ici petit bout de dentelle rouge. Ici rien. Et là, c'est aussi un pliage que je vous montrerai.
est sympa à faire. La décoration finale et l'arrière où sur le sapin, eh bien, j'ai remplacé les boules de Noël par des petits strass, tout simplement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, hein, si ce n'est que ben voilà, hein, Isa fait une création de Noël par an. Donc voilà, elle est faite. Je vous la décris parce que normalement c'est prévu qu'elle aille chez quelqu'un qui n'a pas de chaîne, donc qui ne pourra pas vous le présenter. Mais voilà, je ne vais pas vous montrer tout ce que je vais mettre dedans non plus. Voilà, voilou. Quoi dire d'autre? Ben, pas grand-chose, hein, si ce n'est que ben, je vais dans la foulée, je pense que ça devrait passer, enfin, une autre vidéo bien évidemment, ben, vous faire le petit tuto des petites pochettes là. Vous allez voir, c'est simple, rapide et c'est sympathique. Alors, il en manque une, là. Alors là, je vous ai montré celle de Fanfan. Ça, c'en est une que j'ai trouvée sur Pinterest. Et il y a celle de Michel que certaines ont déjà reçue avec deux grandes oreilles. Non, c'est pas un lapin. Je retrouverai le modèle, ne vous inquiétez pas. C'est oui, c'est toujours pareil, c'est toujours un chantier. Une partie obscure que vous ne verrez pas. Ou c'est le chantier. Je vous fais plein de bisous. Je fais le montage. Je vous balance la vidéo. Et ouais, bah, je vais faire le tuto dans la foulée. Voilà. Bisous, bisous. Bon dimanche.